Bah du coup vous avez vu des vaches, des chevaux, des cochons et maintenant des brebis. Donc vraiment la partie professionnelle, mon métier c'est vraiment les bovins. Il n'y a pas vraiment de diversification sur la ferme, si ce n'est que la vente directe pour les bovins. Après, les chevaux, c'est vraiment epsilon, quoi. Et c'est plus dans un objectif d'entretien de certaines parcelles où ils mangent les refus des vaches. Et pour le plaisir d'avoir des chevaux. Et les brebis, c'est ça aussi, en fait. C'est qu'il y a des parcelles, notamment autour des bâtiments, difficiles d'entretien, autres que de la tondeuse régulièrement. Donc elles font bien ce boulot-là. Et puis c'est plaisant, moi j'aime les animaux, j'aime soigner les animaux. Donc c'est une passion d'être éleveur, donc du coup, ben voilà. Voilà, les bon là elles sont là pour l'hiver maintenant, même si elles vont sortir un petit peu sur les refus là. Et l'été elles trouvent leur place sur une lande qui est sur la commune, qui est un espace naturel intéressant à conserver. Donc le conservateur des espaces naturels et le parc m'a demandé de faire packager avec mes brebis en période estivale. Donc tout bénéfice pour moi, c'est très bien. Voilà pour les brebis. Alors, pourquoi du pâturage plutôt que de l'engraissement ? Alors, en fait, je faisais l'engraissement classique avec la céréale et du soja ou de l'aliment du commerce. Je consomme encore un petit peu de céréales, notamment sur les bêtes suitées l'hiver en bâtiment. Elles ont une petite consommation là, pour les entrées chez Ocronadi. Pourquoi je me suis éloigné de ça ? Pour plein de raisons. Mais d'abord, je trouvais que je ne valorisais pas l'herbe. C'est-à-dire que je mettais les vaches tard dehors, comme tout le monde en fait. Hein. Et une fois que c'était râpé dans un pré, ben, on les changeait. Et puis qu'il n'y avait plus d'herbe, on mettait du foin. Et je me disais qu'il y a sûrement mieux à faire. Donc je me suis rapproché de notamment l'association Sylvain Madapa. Et je me suis rendu compte de l'univers qu'il y avait devant moi. Quoi. Du coup, ça collait avec tout. C'est-à-dire que ça collait avec mon envie d'arrêter de tirer des seaux et des seaux et des seaux et des seaux dans les bâtiments. Et plutôt ben voilà, travailler en extérieur, au plein air, avec mes bêtes. Ça collait à ce qu'attend, je crois, la société de nous. C'est-à-dire que ben, on nous demande de... En fait, les gens vont manger moins de viande, mais ils veulent une viande de grande qualité, gustative, mais aussi environnementale. Et c'est vrai que moi, je suis persuadé de ça, que les vaches, la viande a sa place dans nos assiettes et dans celles de nos concitoyens. Et nos vaches, elles ont la place dans nos paysages. Mais à une condition, c'est qu'elles soient... entre guillemets, elle aussi économe, c'est-à-dire que leur impact sur l'environnement, en termes de carbone notamment, de phyto, de tout ce qu'on veut, soit minimum. Et ça, l'herbe l'offre, quoi. Travailler à l'herbe dans de bonnes conditions, alors c'est très technique, c'est difficile, ça permet ça. Et ça permet, et c'est pas que moi qui le dis, hein, les études qu'on fait, notamment avec l'asso, le prouvent, ça permet une viande d'une qualité, bon, d'abord gustative, mais aussi riche en oméga-3, en vitamines, en fer, tout colle, quoi. Après, bien sûr, on est soumis aux aléas climatiques. J'ai envie de dire comme tout le monde, dans les systèmes tels qu'était le mien auparavant, avec une grosse consommation de céréales, bah, les aléas climatiques, ça se traduisait par l'augmentation des coûts de la paille, de la céréale ou de l'aliment. Bah, chez moi, là, maintenant, ça se traduit par, des fois, le manque de ressources d'herbe. Mais je m'aperçois qu'avec un chargement adapté et le pâturage tournant, eh bien, la ressource d'herbe... Elle dure un peu quand même dans la sécheresse, et puis à un moment donné quand c'est trop sec, mais on fait aussi du stock, et ça se passe pas si mal que ça. On les subit les sécheresses, mais c'est pas si mal que ça. Et puis il y a peut-être des pistes pour l'avenir à réfléchir, peut-être des variétés prairiales, peut-être l'utilisation des haies, enfin à voir quoi. En fait, mon nombre de villages, au départ, il n'a pas beaucoup augmenté. Au début, j'avais une cinquantaine d'hectares et une cinquantaine de villages. Le système était assez intensif. Et à la faveur des agrandissements, que je n'ai pas particulièrement recherché, mais c'est vraiment du terrain qui me touchait et qui rendait le travail beaucoup plus facile. Quoi. Bon, ben, j'ai augmenté ma surface comme ça, par opportunité. Et je me suis posé la question. Je me suis dit, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu augmentes ton nombre de villages ? Donc, tu vas augmenter aussi ton travail. Ben, c'est... fortement corrélé quoi. Déjà parce que les villages à surveiller c'est du boulot, et puis parce que c'est les petits veaux et les vaches qui sont en reproduction qui ont des, on va dire, des problèmes sanitaires des fois, des interventions, etc. Donc augmenter ça, pourquoi ? Pour faire plus d'heures,
plus de frais, pour peut-être pas beaucoup plus de marge au bout, mais certainement beaucoup moins de temps à passer avec ma famille, mes enfants, beaucoup moins de temps pour l'investissement dans la vie associative. Ça collait pas avec ce que je voulais faire, quoi. Donc c'est là que j'ai commencé aussi à dire, ben, si je n'augmente pas significativement mon nombre de vélages, ces surfaces, on va les occuper par du vieillissement de génisse. Fini les petites génisses d'un an, on va les faire les génisses de 3 ans. Puis les vaches de réforme, les engraisser en 3 mois, on va les remettre à l'herbe. Ça a été aussi ça, cette démarche du système herbagé et pâturant, quoi. C'est venu comme ça. Et la dimension du travail, elle est hyper importante pour moi. J'ai calculé, hein, sur une année, je suis en moyenne à 40-45 heures semaine. C'est pas beaucoup pour un paysan. C'est beaucoup par rapport au reste de la société, mais c'est pas beaucoup. Et ça, j'y tiens. Ça fait pas de moi un feignant du tout. Ça fait de moi quelqu'un qui travaille, qui vit de son boulot, mais qui a du temps aussi pour ses gosses et pour sa famille. Et voilà. Et ça, c'est très important. We'll be right back.